On est rendu, puis ils trouvent qu'on n'a pas de Jedi. On s'en va à Epcot. Bon, ben en premier, on a Spaceship Earth, on a Fastpass dans Spaceship Earth. Ensuite, on a LM, puis vu qu'il ferme le 13 août, ben c'est notre dernière chance de le faire. Ensuite, on a Test Track, peut-être. Depuis combien de temps, Lucia? 8 à 10 minutes. Rendu à Epcot, on est allé au Guest Relation et à la billetterie pour faire activer nos billets pour Canadiens pour finalement se rendre compte que ça avait été fait à l'hôtel. J'ai hâte. Oui, hein? Il y en a qui a partagé un quart de son hamburger avec les filles. Pas moi. Les filles ont un petit peu de ma salade. La fille. Un petit peu d'hamburger puis un petit peu de croquettes. Hey! Moi, j'ai une salade au poulet avec une tomate de Yannick. Voilà, bon appétit, les filles. Bon appétit. Puis, bon appétit, moi. It's not about listening with your ears, it's about listening with your imagination! Ensuite, c'est Disney Paws. On a un fast pass. On a pris le temps d'aller prendre une bière et un pretzel en Allemagne avant notre souper. C'est quoi la solution quand tu fais chaud? Mixa! La spécialité du Vienna Poly est la pizza au four à bois. On pouvait voir les trois magnifiques fours à bois dans lesquels ils ont préparé notre pizza. Pourquoi il y en a de l'eau sur le bord? Oh oh! Ça doit mouiller un petit peu. C'est dans Frozen Ever After que Alicia apprécie pour la première fois une descente dans un manège.
On a décidé de retourner à la chambre finalement plutôt que d'aller voir Illumination parce que tous nos bagages sont encore dans l'auto puisqu'on n'avait pas eu notre chambre avant d'aller à Epcot. Oh. Abonnez-vous pour suivre les aventures de notre dernier voyage à Walt Disney World. Prochaine vidéo, notre journée à Magic Kingdom.